I'm Claudio Novelli. I'm originally from Florence, and I practice aesthetic dentistry. I've been practicing aesthetic dentistry since the beginning, since 30 years ago, when aesthetic dentistry was not as popular as it is today. So I've seen, you know, aesthetic dentistry becoming more and more popular and smiles becoming more and more beautiful. Dr. Claudio Novelli, il a un master de dentisterie esthétique de l'Université de San Francisco. Et ensuite, il a commencé à utiliser ces matériaux de facettes préfabriquées en composite dès leur introduction dans le marché. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un praticien qui a posé des milliers de facettes. Et pour nous, il nous a semblé important, d'une part, d'avoir une expérience sur le matériau que l'on va travailler aujourd'hui. Et d'autre part, il fait aussi des facettes, on va dire, plus conventionnelles en céramique. Le Centre de formation odontologique de Provence propose un certain nombre de formations à tout type de praticiens de l'art dentaire, à la fois aux personnes déjà expertes ou spécialisées dans certains domaines, mais également à des personnes qui viennent de commencer leur pratique. C'est la raison pour laquelle nous faisons en entrée de formation souvent une évaluation initiale, de manière à ce que l'intervenant puisse lui adapter au cours de la journée les différentes formations. Il y a également un deuxième aspect, c'est que non seulement elles s'adressent aux chirurgiens dentistes, mais peuvent également toucher les assistantes dentaires. Today, the course was about a technique for aesthetic dentistry, for veneers, that you can do in a single appointment. L'objectif de cette journée-là, c'est de voir les indications de ces facettes préfabriquées en composite, de voir aussi l'évolution des matériaux, puisqu'on a aujourd'hui un matériel ou un matériau qui est vraiment différent en termes de fabrication. Et ensuite, c'est de pouvoir gérer la totalité de la procédure de A à Z. Dans la plupart des formations, la partie théorique est suivie par une partie mise en pratique. I will be teaching them, first of all, how these veneers are made, the technology. Then I will teach them how to do it. And then I will teach them when to do it. C'était très intéressant. Ça a tout à fait répondu à mes attentes, que je ne connaissais pas les facettes veneers comme cela. Une bonne découverte, je pense que je vais pouvoir l'appliquer. Ces formations sont à la fois proposées sur place dans le sud, mais également de manière déportée, à savoir dans des grandes villes ou à géométrie variable, c'est-à-dire sur des petites formations ou des formations en groupe plus importants. When I start this technique, it was a new technique for me, and I didn't know if this was going to work or not, like every new technique. And after almost 15 years of using it, I must say that this made a big difference in my practice. So I would like everybody to have the opportunity to learn more about this technique, because contemporary aesthetic dentistry is not just ceramic veneer, it's many more options for our patients.